T'as ramené une palette de laitue. Attends, mais tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? Tu peux me la porter ou pas? Parce qu'avec ma sciatique, ça ouais, t'inquiète. C'est bon? Ouais, mets ça là, c'est bon, après j'ai le temps. Voilà. Tiens. Okay. Mais par contre, j'ai vraiment une question. C'est quoi? C'est vraiment pas toi qui a mis le feu à la voiture? J'ai pas mis le feu, moi. J'ai pas mis le feu. Moi, je te l'ai retourné, c'est tout. Putain, mais il est où ce con là? Oh, William! Ah! Oh! Bah, quoi? Oh! Quoi? Mais réveille-toi, oh! Ah, putain, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais attends, j'ai fait un rêve. Oh là! Je me suis assoupi sur le transat là. Putain, j'ai fait un rêve trop chelou. Ouais, tu t'es assoupi, mais faut travailler là-haut. Ouais, mais deux secondes, putain, j'ai fait un rêve trop chelou, ça m'a donné des frissons. Heureusement que t'es venu, hein. J'ai fait un rêve comme quoi j'allais aider mon connard de frère et que j'allais m'excuser. Jamais de la vie, je pense. Toi, aider ton frère? Non, jamais. Lol. Et je te jure, dans mon rêve, je lui portais une palette de salade. Oh, génial, d'accord. Ah, non. Et putain, ça m'a donné des frissons. Comment j'ai pu rêver de ça? Tu m'étonnes. Même en le voulant, je l'aurais jamais fait. Yop les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour le dernier épisode de Richesse Familiale. Et aujourd'hui, un invité de luxe dans cette série, nous avons l'ancien. Ah, bonjour tout le monde. Eh, c'est parti, je travaille moi. Ouais, parce qu'on a des choses à faire. Et on a un deuxième invité de luxe qui est déjà venu, c'est Aon, bonsoir à toi. Salut. Et du coup les gars, bah, on s'était laissé la dernière fois ici sur la moisson de blé qu'on va terminer avec l'ancien. Après on vend, enfin on délocalise, qu'est-ce que je raconte, on délocalise plus. On délocalise. On déloue les machines. on remet les machines à la concession. Et après on s'occupe de placer un troisième poulailler. Parce que j'ai vu que cet enfoiré de Marlon a placé un troisième poulailler aussi. Enfin il fait des poules cet enfoiré. Depuis quand en fait? Je sais pas ce qui rapporte le plus, ça c'est la question. Alors si vous voyez en haut à droite, nous avons notre petit Aon qui est en train de chercher tous les objets à collectionner. Normalement Aon, il y a moyen de faire une famille. Ouais. Donc t'en as déjà fait une? Ah bah oui, on est à 183 000. Oh, les gars, c'est pas fini, je vous le dis, même si ça va être très compliqué. J'ai vu la vidéo, j'ai vu vos commentaires. Je sais que, il y a des gens qui croient encore hein, mais je sais que ça va être chaud. Mais peut-être le plus gros retournement de situation de ma carrière. Voilà. J'espère que tous les gens, si on gagne hein, tous les gens qui sont venus dire qu'on avait perdu, vous viendrez lâcher votre sub sur Twitch hein, parce que sinon ça va pas le faire hein. Ah bah attends. Non, mais par contre ça peut le faire avec les objets à trouver, les œufs à vendre. Et surtout, bah, la question est de savoir, parce que lui, il a fait une usine de meubles. Est-ce que le meuble rapporte plus que nous, ce qu'on fait avec les vêtements? Ça, je sais pas. Non. Ça rapporte moins? Ouais, moins. Oh, ça met trop de temps à se produire, les meubles. Bah, c'est parce que nous, en fait, le problème, c'est que vu qu'on a mis en mode vente, d'ailleurs, merci pour tous vos retours, mais des abonnés m'ont dit qu'en mode vente, ça vendait au plus cher, mais ça prenait 30% de la somme. Donc, est-ce que c'est rentable de faire ça ou il faut tout vendre nous-mêmes? Moi je pense que c'est quand même rentable de faire en vente directe parce qu'avec les œufs, bon, on n'aura jamais le temps de tout faire. Hein. Surtout que là, les gars, bah, là c'est le dernier épisode, il faut le max tryhard, on a plus de chance après quoi. Donc c'est pour ça qu'on finit vite fait le blé avec l'ancien. Il nous reste pas grand chose, d'ici à mon avis, même pas 10 minutes, on a fini. Et puis, bah, ce chantier on peut le vendre, même si à la fin on vendra tout. Et puis on s'occupe des poules à fond de balle. D'ailleurs, je pense que je vais directement placer un troisième poulailler. Et puis moi je le place après, de toute façon ça change rien parce que je peux pas avancer le temps maintenant. Vu que si j'avance le temps, bien évidemment, faut pas oublier que les locations de moissonneuses ça vaut 10 000 euros par jour. J'ai fait les frais lors du dernier épisode. Bon les gars, on est parti pour placer un troisième poulailler du coup, parce que bah de toute façon pour rivaliser avec Marlon on n'a pas le choix, hein. Si on n'en place pas 3, lui on en a placé 3. Moi je pense que c'est le bon compromis d'en placer 3 parce que plus de 3 c'est impossible à gérer. Hein. Moi je pense que ça va nous coûter plus d'argent que ça va nous en rapporter. Donc on va aller dans construction, on va placer le grand ici, poule, et on va placer le grand, je vais le placer juste à côté de l'autre. Vous n'êtes pas autorisé à construire? Ben, il se fout de ma gueule lui ou quoi? Alors on va le mettre ici, on va le placer dans le même sens que l'autre à peu près... Voilà, comme ceci. Comme ça on sera optimal parce que bah, les œufs, je vous rappelle qu'on n'a pas le choix d'aller les vendre nous-mêmes. Donc normalement nos deux autres poulaillers sont full plein. T'as encore trouvé une famille en fait hein? Non. Ah ok. Si on arrive à gagner, on l'aura eu à son propre jeu. Parce que même moi j'aurais pas pensé à faire ça. Mais du coup bah, les gars en fait c'est soit on fait ça, soit on perd. Voilà, on n'a pas le choix de perdre sinon. Si on n'arrive pas à trouver les objets. Donc après bah, on fait avec les moyens du bord. Hop, le reste je vais aller taper ça dans le silo. Parce que sinon j'aurais, enfin vu ce qui reste à mon avis il y a encore au moins une benne. Donc
T'inquiète, pour les poules, on sera bien. Mais nous, c'est pareil. Moi, je me suis posé la question, comparé à lui, est-ce qu'on a plus de bâtiments ou pas à vendre, tu vois ? Parce que nous, on a deux bâtiments pour les moutons avec 30 moutons dedans. On a encore 4 serres, on a 3 poulaillers, 2 bâtiments de construction. La maison, on l'avait déjà vendue. Et 2 usines, ça, faut pas les oublier aussi. Donc, tout ça vendu, est-ce qu'on a plus que lui ? C'est ça que je me posais. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Ça, ce sera la réponse à la fin, les gars. On va essayer de faire un truc stylé à la fin. En mode, on va tout vendre en même temps, tu vois, sur chacune de nos parties. Et on va voir qui c'est qui va gagner. Mais si j'arrive, enfin, si on arrive à gagner, franchement, je pète le champagne. Hop. Moi, je suis au chômage. Oh. Eh ben, je me grouille, gros. J'arrive, je vis de la benne. A few minutes later. Du coup, les gars, bah, on va juste délouer tout. On a fini enfin ces conneries là. Oui, on rend. On veut plus rien, nous, dans notre ferme. C'est bon, comme ça, on peut avancer le temps parce que j'en peux plus de payer des frais pour rien. Je vais juste envoyer un ouvrier avec le McCormick, les gars, parce qu'on a racheté un plateau pour la vente. Alors, on pensait tout mettre dans la benne, les gars, mais j'avoue que vu qu'on est beaucoup sur la partie, on va essayer de maximiser tout ce qu'on peut faire. J'ai juste engagé quelqu'un pour aller jusque là-bas et moi, je vais m'occuper d'avancer le temps et des moutons et de la laine, etc. Alors. Le shop, il est où? Il est, je crois que c'est là-bas qu'il est. On va le mettre aller là-bas. Dis-moi qu'il y va et qu'il se plante pas, ce serait cool. Ok. Ok, c'est bon, il part. Bon, les moutons, ils ont encore de la bouffe, ils produisent plus de laine. Donc là, je peux me permettre d'avancer le temps, les amis, puisque bah ah oui, mais les salaires. Ah non, les salaires, on s'en fout, ça coûte pas plus cher. Non, non. Puisque bon, si ça commence à me coûter cher au niveau des trucs. Attends, arrête. Ah oui, c'est déjà plein. Putain, vous avez vu à la vitesse où ça va? Mais ça se stocke pas normalement. Si. Bah normalement si, c'est censé se stocker dans le petit emplacement là, non? Bah, je sais pas. Vas-y, ouais, pousse-les. Non, faut faire comme les cerfs, ça doit se... Ouais, mais chez nous, ou alors c'est nous qui devons mettre un truc en plus, mais je vais les virer aussi. La laine, pour le moment, j'ai plus rien qui va. On va regarder si nos usines produisent. Ah ouais, du coup, j'ai pas regardé, mais attends. Attends. Les usines... Théoriquement, les amis, les usines, voilà, tissu laine, ça produit de la laine ici et ça met les vêtements en vente. Et normalement, si je vais dans mes finances... Famille. Oh ouais. Famille trouvée en plus. Produit vendu 4000 euros, c'est pas mal. Ah oh ouais, 301 000, gros BJ à on. Ça, c'est BJ de ouf. Donc nous, on n'a plus besoin de s'occuper de tout ça. Il y a juste la laine à amener à chaque fois, en fait, les gars. Ouais, regardez la laine ici qui est pleine. Il faut juste l'amener... Tu t'occupes des œufs, l'ancien? Ouais, ça y est, ouais. Ok, t'occupes des œufs. Donc moi, je vais mettre... En fait, on va laisser... Un truc de temps. Pourquoi il y a plus de place? Ah oui, mais ça changera. C'est de la place, hein, c'est... De la ouais, place, mais c'est d'avant, ça, je crois. Bah, je sais pas. Bah, si, ouais, c'est il y a de la place, hein, je crois. Je laisse le temps comme ça en 1800, ça va? Ouais. Ok. Moi, je vais renourrir les animaux ici. Du coup, les amis, on est rentré avec le plateau et Aon nous a retrouvé une autre famille. Vas-y, prends-la. Je suis pas sûr, hein. Mais... Ah, bah non. Mais, ouais, on y était presque. Mais il en reste pas grand. Il reste pas grand chose. Bon, moi je vais charger les œufs. Tu t'occupes de la laine, Will? Ouais. Ok, vas-y, occupe-toi de la laine. Pour le moment, je laisse le temps en fois 120, mais là je vais un peu l'augmenter pour la nuit. Alors, on va le mettre en 1800. Parce que Aon, bah, c'est quand même un peu mieux de jour. Donc, nous on essaie de charbonner un petit peu tout ce qu'on peut. Une fois qu'il y aura plus. Faut pas que t'hésites, regarde s'ils ont toujours à manger, hein, les moutons, Will. Il y a les bottes devant, hein, donc n'hésite pas. Comme ça t'es sûr. Là c'est bon, là tout est chargé. Hop. 5h30, 6h30, ok. Au moins ça avance. Il y a plus là, si? Ah si, ça reproduit, ouais. T'avais donné full à toutes les poules? Ouais, j'avais donné full, ouais. Ok. Bon. Donc j'ai pris le plateau Roland, les gars, pourquoi? Parce qu'il était le moins cher. Pas mini, hein, voilà. Ah ouais? Ah bah non. Mais putain, oh, tu nous trolls ou quoi? Ouais, je te troll. On va avoir aucune famille, en fait. Non, mais à chaque fois, ça me reste un objet, donc on est... Est-ce pas que vous pensez que pour la fin de la vidéo, il y a moyen d'arriver au million? Non. Non? Non, mais avec... Non. Pas en famille, hein, mais avec tout ce qu'on va faire. Ah, Parce qu'on a quand même pas mal d'œufs. La laine, bah après, ça produit, quoi. On est à 300 000 de base, hein, et ouais, t'as ramassé quelques objets. Là, par contre, il y a famille, je crois. Allez, je vas-y. Mais putain, il nous fait chier, celui-là. Il en reste un. J'en ai marre des 1. Oh, vas-y, on se régale. Et du coup, les gars, pour le moment, on a 335 000. Donc on va voir à combien on sera après avoir vendu tout ça. De toute façon, je reprendrai la vidéo quand on ira vendre tout ça. Mais là, on essaie de maximiser les coûts en avançant le temps. C'est quand même assez... Ça demande de l'organisation. Ok, il y a une famille, nous dit Aon. Il me dit, il y a une famille, c'est... Ah, oui, monsieur. Merci, Aon. Oh là 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 là, mais Aon qui nous régale. Oh là 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 là. Mais du coup, tu vois, il y a moyen d'aller chercher là 1 million, là. Ouais, je pense. Il y a moyen d'aller chercher là 1 million. Il y a plus de place pour les œufs, il y a plus de place pour les œufs. Ah ouais, ça doit être à l'autre. Attends, je me grouille vite. Enfin, regardez. Oh le bordel, ici on en a plein des œufs. Oh, mais attends, on se régale. Vas-y, mon petit. Gère tout ça. On se régale. Oh, il y en a plein des ici.
Bon, on va déjà faire un plateau avec tout ça. On va déjà faire un beau. Ah oui, la palette qui glitch, la merde, on peut pas l'enlever. En plus, elle est glitch dans le spawn, quoi. Du coup, bah, c'est pas grave. On va déjà faire une belle vente avec tout ça. Je renourris vite les poules. Oh là, l'organisation de malade. Les gars, on a un point de vente à la boulangerie à 3288. On augmente encore un peu. Je mets en fois 120. Hein. Avance, mais un peu plus. Mais. Ok, je m'en fous. Je dirai quand ça baisse. Vas-y, ok, tu me dis. Hein. Je suis en 1200 là. 3300, il avance top, pas plus. Top. Oh, 3336, mec. On se casse. Oh, c'est en haut de la map. Reviens vers nous, reviens. Ah ouais, mais t'as plus de place. Non, j'ai plus de place, non. Je vais. Mêler de côté, Will, mêler de côté. Ouais, t'inquiète, je vais tout stocker. Œuf n'est pas. Oui, on s'en fout. C'est chiant par contre. Je vais faire une vente incroyable. Qu'est-ce que j'en ai à cirer. Bon, les gars, on n'est pas là pour le réaliser. Je coupe à travers champ, je vous le dis. Par contre, j'ai très peur parce que là. Arrête-toi. A chaque fois, il me reste un objet à trouver. C'est toi. Samedi. 23 000. Faut que tu recules, t'es pas bien là. Bah ouais. Non, recule. Bah ouais, mais. Sans que tu vas faire tout tomber. Ça vend plus là, frère. Pourquoi ça vend plus, mais. Bah, mon avion doit être full. Attends, je vais peut-être les prendre à la main, voir si ça change quelque chose. Mais non, l'usine, elle est pas à toi, l'usine. T'en fous. Mais ça change rien, ça. Ah ouais, non, ça changera. Revenu de récolte. Ah, donc. Ouais, donc c'est plein. Oh. Bah, t'es sérieux? Ok les gars, c'est en train de vendre, on a vendu au deuxième plus cher, donc là ça se vend à 2100 au lieu de 3300, mais bon tant pis, hein, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est pas grave, l'argent monte, du moment que l'argent monte, si tout monte, c'est parfait. Avance. Ouais, j'avance, voilà. Attends, je ressangle. Voilà, ok c'est parti, là ça n'arrête plus. Si on pouvait faire les 600 000 là, ce serait nickel. Aon est peut-être pas loin de trouver plusieurs familles là, donc ça peut se faire. Quoi? Faut les trouver. Ouais. Oh là là là, ça avance. Oh là là là, on se régale. Bah, ici, on peut venir autant qu'on veut. De toute façon, c'est pas une usine. 601 000, les gars. Oh, incroyable. 122 000. Oh là là. Tu vois les œufs, c'est incroyable. Bon, allez, on y retourne. Let's go, les gars, une famille en plus. Let's go, regardez en haut à droite. Putain, 715 000. Ouhouhou. 5 minutes later. Encore une. Oh non, mais là, c'est abusé, gros. Je te l'ai dit qu'on va aller vers le million. Je te l'ai dit, Aon, je te jure. Oh là là là, le retournement de situation. 2 hours later. Oui. Oh les gars, 938 000 euros, troisième famille d'affilée pour Aon. Eh ouais mon pote. Eh ouais, faut y aller là. On nous a pris, on voulait chercher les objets. Y a pas de souci, on a Aon les gars ici dans l'équipe. On a Aon les gars. Donc là les amis, je vous reprends ici juste pour vous dire quoi. Que tout simplement, la laine n'est pas acceptée ici, déjà une première chose. Mais la deuxième chose, c'est fini pour les moutons, les amis. On n'a plus d'herbe, tout simplement. Et bah, ils n'ont plus rien dans le truc. Donc, c'est la dernière palette de laine que j'amène. Et donc, c'est la dernière fois qu'on utilisera ces usines-là. Après, les moutons-là, bah, on pourra les vendre, puisque bah, on n'a plus de quoi leur donner à manger. Et en ce qui concerne les poules, ça continue à produire un maximum, puisque ça, bah, ça va aller jusqu'à la fin de l'épisode, bien évidemment. Vu qu'il nous reste plein de trucs dans l'usine. Mais non. 1 039 000. Je crois que même eux ils vont pas nous croire. One eternity later. Dernière famille trouvée pour Aon les gars, plus 100 000 euros. Donc ah merde, y a plus de place pour les œufs. Voilà, c'est fini. Donc enfin vu qu'on était avec Marlon de base sur le serveur avant, t'en as trouvé combien? 6, 7 peut-être. Ouais, je pense 7, ouais. Donc les trois autres familles les gars, c'est Marlon qui les avait trouvés, c'est pour ça. Les gars, à la première partie, on a réussi à tout faire partir. Donc il y a plus de laine, il y a plus de vêtements, il y a plus rien. Donc tout ce qui est la partie mouton, laine et tout, on a plus besoin de s'en occuper. Mais non, tout ce qui nous importe, c'est les œufs et les poules. Et là, c'est parti, on cherche encore un plateau avec une tour de Pise pour se refaire un peu bah 100 et des 1000 euros de vente. T'as l'ancien, t'as vu pas ta pouf toi? Bah non. Bah mais la gamme elle est vide, bah en même temps je peux comprendre, j'ai demandé à Noah de la remplir au matin, bah attends je la remplis putain. Mais je sais pas où il est moi. Oh patapouf. Oh mais ça c'est encore l'autre ivrogne là qui l'a ramené à son bar là, il le prend toujours avec, il est chiant. Patapouf. Tu crois qu'il est parti avec Thierry? Personne. Bah comme d'habitude hein, c'est tout le temps pareil. Oh il est parti l'emmener au bar encore. Eh, soit c'est ça, soit par contre il s'est barré, mais il se barre jamais, c'est un chien qui reste toujours à nos pieds, qui s'en va jamais de la ferme. Bah c'est clair. Oh là. Manquait plus que ça maintenant, on a pas que ça à foutre, on a un plateau d'œufs qui nous attend. Bah ouais. Bon, je t'ai trouvé ton cabot là, il est en train de courir, il a failli se faire écraser. Normalement il était parti avec Thierry, t'as pas vu Thierry dans les parages? Ah non. Il l'emmène au bar tous les jours, c'est pour ça, bon. Ouais bah là ça devait être le chien qui a ramené Thierry du bar, mais j'ai plus de Thierry. Hein. Ouais c'est peut-être bien ça, ouais. Rien de cassé, il a rien de cassé. Merci en tout cas de m'avoir ramené. Ouais, non, mais y'a pas de soucis, mais fais gaffe quand même parce qu'il a failli se faire écraser, il était à moitié con. Hein. Bah, comment ça, il était à moitié con? Bah, il courait à moitié devant les bagnoles.
Ouais, bah ça c'est pas grave. Thierry a dû lui donner un ou deux verres. Thierry a peut-être mis un ou deux verres. Ah, il a le sens du partage. Bon, bah de toute façon, on se voit dans quelques mois là. Ouais, bah allez, je le prends. Bien sûr qu'on se voit dans quelques mois. Ouais, ouais. Bon, bah à plus. À plus. Bon, les gars, après le roleplay, on part vente. Cette fois-ci, on va se régaler. C'est 3200 la vente à ce point de vente là. C'est tout en haut de la map là où on avait été vendre le blé la dernière fois. Le soja la dernière fois. Et Aon. Hein ? Ah oui, ça doit être. C'est à côté ? Ouais, c'est à côté. Attends. Et Aon, lui, on va vendre les serres juste après parce qu'il est en train de dégager les palettes de laitue qui nous restaient. Parce qu'en fait, ça nous prend de l'argent. Bah, ça vous nous prend combien par jour ? Pas beaucoup, mais. Un petit peu quoi. Donc, on va les. Non. Quoi ? 50 euros, je crois. Mais bon. Ouais, mais bon, c'est déjà ça parce que de toute façon, les serres, elles nous servent plus. Donc, si on les vend maintenant ou après, ça changera. Regardez la thune qu'on se fait, les gars. Ouais, oh en plus, ils perdent la valeur après. Vas-y, l'ancien, vas-y. Vas-y, on essaie de tout faire en une fois, Will. Attends, descends. Mais l'autre. Ouais, mais faut que tu descends, je peux pas ça. Est-ce que tu veux que je mette la laine dans le truc ou je te laisse faire ? Non, tu peux la mettre. Tu peux la mettre normalement. En fait, oui, il y avait plus de laine, les gars, mais il restait encore un peu d'herbe dans les loges des moutons et c'est ce que ça a fait, ça nous a à nouveau reproduit un peu de laine. 231 000. Oh là là là, le cash du sang. Oh, c'est incroyable. Mais là ça a baissé de ouf. Ouais, mais le temps que t'avances le temps et tout, c'est pas grave ça. Ouais, je les vends du coup, les serres. Ouais, faut espérer que ça revienne à 3000. Je vais les vendre, t'inquiète, je vais les vendre maintenant. Okay. Donc, construction, les gars. Ah oui, mais paysager, ça va me mettre là. Ah oui, non, vends-les parce que je suis à l'opposé de la map en fait. Donc, ouais, vends-les. Ok, nickel. Donc, il va nous vendre les serres. Ça va nous rapporter un peu d'argent, mais bon, ça, de toute façon, que ça nous le rapporte maintenant ou pas, ça aurait rien changé puisqu'on aurait tout vendu à la fin. Je vous rappelle, c'est le but. Mais là, combien ? Mais 200, quasiment 250 000. 240 000 à peu près. 240 000 euros. Attends, attends, je vais te dire, attends, je vois. Je vais te dire. Oh, on a 1 400 000, les gars. 236 000, on a vendu. 236 000, 2. Oh, mais c'est incroyable, gros. Oh là 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 là, mais on va se régaler. Vas-y, on va. Perds pas de temps, avance. Le temps, ok. Hop, j'avance le temps et c'est reparti. Du coup, les gars, pour éviter que les coûts de production journaliers à cause des usines qui ne servent plus à rien, voilà, elles ne servent plus à rien là, on a plus de production, on va en profiter pour les vendre. De toute façon, qu'on le fasse maintenant, encore une fois, ou à la fin, ça ne change rien, mais au moins on va le faire maintenant, comme ça. En plus, ça garde plus de valeur du coup. 47 000 euros, oh ouais, let's go. Et l'autre aussi, l'autre 28 000 euros parce que c'est celle qui nous coûte le moins cher. Donc au moins, elle nous coûte plus d'argent, c'est déjà ça. Et au moins on peut se permettre d'avancer le temps plus facilement sans perdre trop d'oseille avec l'entretien de la propriété et les coûts de production. Ok les gars, on va vendre, on finit en fait, il nous reste actuellement 11 minutes pour aller vendre le plus gros casse du siècle. J'ai 131 919 litres de palettes sur mon plateau et Will il sait pas voir. Ah si, tu sais voir ce qu'on m'entend dans la benne. Non, j'ai pas. Ah non, t'as pas l'indication toi, ok. Ouais, je dois avoir une vingtaine de palettes. Ouais, il a au moins 20 palettes, il nous reste de la laitue si vraiment on a le temps. Parce que la laitue, on peut s'en passer, c'est vraiment les œufs le principal. Et là, pour vous dire à quel point on va faire un casse du siècle, on a le point de vente qui est à 3368 euros qui est encore en augmentation. Donc on va se rendre sur le point de vente et on va un peu avancer le temps jusqu'au temps qu'il arrêtera d'augmenter et on vendra à ce moment-là. En tout cas, go se régaler. Les gars, on est arrivé au point de vente. Will est devant moi. C'est quand tu veux. Ah oui, d'accord, faut passer là. Moi, je vais passer à droite, moi. Voilà. Vas-y, Will. Oh là. Parce que là, on vend. Attends. On vend à 3393 euros. Et là, c'est le maximum, là. Là, on peut pas faire plus, là. Oh non, mais là, regardez-moi le plateau. Regardez, les gars. Regardez, les gars, ce plateau. Il reste 5 minutes en plus, mec. Bah ouais, il reste que 5 minutes, mais j'ai tout. Mais sur le plateau de Wall, ça va se vendre direct parce que. J'ai tout mon bordel à vendre, moi, après. Oh, mais toi, ça va se vendre plus vite parce qu'ils sont tous droits. Ok. Ah, oui, à part ceux d'au-dessus. Ouais, ok, c'est très bien droit, ouais. J'adore. Verdict. Oh là 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 là. Allez, vas-y, Will, avance. Allez, déjà 132 000 avec la benne. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh non, mais là, regardez la thune, regardez la thune, les gars. Ça bug tellement ça. Oh non. Oh bah alors là, mon pote. Je te prépare à avancer, mais. Oh là là, non, mais attends.
Non mais là c'est le plus gros, c'est le plus gros plateau que j'aurais, je pense. Je vais plus jamais faire un plateau comme ça sur Farming 22. Oh non mais même, on met un plus de 2 000 en fait. Let's go baby. Oh ouais. Oh là 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 là. Non mais c'est magnifique. En plus on finit dans les temps. Oh non. Oh le casse du siècle. Là les gars il y a plus rien hein. Dans les poules et tout. Il y a plus qu'à vendre des animaux. Il y a plus rien qui produit. Tout est au minimum. On a tout fait le maximum qu'on pouvait là. Allez 350 000 je dis. Ah je sais pas, je te dis. Ah, là on vend au total, on est déjà à 400 000 facile. Ah ouais. Ah ouais. Plus. Attention, attention, attention. Verdict. Voilà. 48 000. 578 000 de revenus des récoltes incroyable. Au total. Bah là franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis déjà hyper heureux. Je sais pas combien Marlon est arrivé, mais déjà de mon côté, ça me fait ultra plaisir les gars. Donc ça c'est la somme à mon avis finale que vous verrez parce qu'il nous reste 3 minutes. Pour jouer, donc on aura le temps de rien faire, on a fini tout vendre. Well, well. Et donc, t'es qu'à vendre les tracteurs et toutes les femmes de tes parents. Ouais, ouais, t'inquiète, ouais. Non, je ne triche pas, je ne triche pas, monsieur. Donc, on laisse sur cette somme-là. Je pense qu'on se retrouve après pour le débrief, les gars, mais on s'est bien rattrapé. On a fait notre max, en tout cas. Sur les 2 heures, Aon, il a pas chômé. Aon, il a fait les objets, et Will et moi, on a fait les œufs et les moutons, on n'a pas arrêté, nous autres. On a travaillé de ouf pendant 1h30 les gars. Et il faut vous rappeler qu'on avait commencé avec 180 000 euros pour arriver à 2 millions à la fin, c'est quand même pas mal. Bon les gars, on va tout vendre des animaux avant de faire le débrief. Donc moi ici je vais vendre les moutons. Ici sélectionner, on va les vendre, donc ici j'en ai 60. Là j'en ai 5, donc on vend tous les animaux, on vend les poules aussi. Will et Aon sont en train de les vendre de leur côté. Donc comme ça on augmente encore un peu la thune avant de vendre tout le reste avec Marlon. Vendre, non, on va passer à 60. Voilà. Et à 5 ici. Nickel, bon là j'ai plus aucun mouton. J'ai plus aucune poule, c'est nickel. Nous sommes du coup en compagnie de William. On l'appellera l'autre con pour rester anonyme. Voilà. Mais du coup, on fait le débrief. Lien de la vidéo dans la description, bien sûr. La vidéo dans la description. du coup, le montant, cher frère William. Ouais. Attendez que je parle à un moine. Ouais, allez, vas-y, tu donnes ton montant, je donne le mien. Dans 3, 2, 1, 2 075 132. 2 139 017. Ok, 2 millions. Alors moi je note pour moi du coup. 2 075 132. Ça va jouer à que dalle, ouais. Ça va jouer à. Il y a zéro d'écart, il y a zéro d'écart. Moi je pense que ça va jouer à une stabulation achetée en début de partie. Ouais, une stab. Ça va jouer aux 300 000 euros dans la stab. Ouais. Ah oui. C'est bon. Donc ensuite là, on va vendre les véhicules. Ok, on vend les véhicules. Donc avec le P. Sur les triggers. Hein. Ouais. Ouais, avec le P. Moi j'en ai pas, j'en ai plus beaucoup, moi des véhicules. Donc là, t'as combien ? J'ai 2 366 800. 2 425 517. Pas tellement, il y avait. Non, pas de machine. Pas de moissonneuse. J'en ai acheté une, pareil, j'ai perdu 100 000 euros là-dessus, elle m'a jamais servi. Donc maintenant, les bâtiments. Alors là, par contre, on va se larguer net. Ouais, bah là, non, parce que nous, moi, on a rien. Hein. Ah ouais, bah moi non plus. Hein. Ah, et ma niche, oh. Ah, la niche. Non, la vend pas. Comme ça, au pire, t'as pas coûté. Non, si, mais je m'étais remboursé, j'avais réussi à me rembourser. Ah ouais, bah ouais, mais du coup, ça va ? Oh ouais. Oh, les 1250 euros ? 1160, ah oui. Pour moi, là, après avoir vendu les bâtiments et m'être fait larguer par Mister Wallon, parce que à mon avis, vous en avez vu pour pas mal, on est à 2 710 000 de mon côté. Ah non, moi, 2 697 000. Tel moment de vérité, vente des champs. Vendre, oui, ok. Et donc on garde bien sûr les parcelles de base. Hein. Ouais, donc toi c'était 61, 62, 63, 66, 67, 64, 65. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je pense que t'es à plus de 4. Non. Nous, on est à 3 667 299. Oh non. J'ai à 3 556 000. What ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Mais pourtant t'avais un champ immense. Ouais. Mais je l'ai... Ah, le 71, champ. Je l'avais déjà vendu. Hein. Il restait plus que le 68, mais je pensais qu'il allait me rapporter plus. Bon bah let's go. Putain, ça va se voir. Oh là là, c'était si serré. J'étais persuadé qu'on allait vous humilier. Bah ouais, genre là, parce qu'on est passé de 1, on est passé à 1 à 2 millions en 45 minutes. Bah nous aussi. T'imagines même pas combien d'œufs on a vendu, Marlon. Quand j'étais jeune et que vous avez dit 2 millions, j'ai fait oh, on a perdu. J'aurais cru tellement une grosse différence, moi. Bah moi, avant de rejoindre votre partie pour la partie roleplay où j'étais vachement confiant, j'ai vu que vous aviez plus de thunes que nous, j'ai fait oh là. Dans le studio, il va falloir vendre les œufs là. Bon, là, on a fait quelque chose de légal, mec, je conçois pas, mais bon, c'est pas grave, allez.
Ouais. Allez, ouais, ouais. On embrassera Cam7 pour le tip, ça. Allez, salut. Ouais. Bon, bah, les amis, du coup, je vous laisse pour la séquence roleplay, hein, évidemment. Ouais, moi aussi. Bon, bah. Bah, j'ai perdu, quoi. Je pensais pas que j'allais perdre. Mais j'étais mal parti, et puis. J'ai essayé de revenir. On a quand même fait 2 millions en très peu de temps, mais. Ça a pas suffi, ça s'est joué à rien, je suis dégoûté quoi. Franchement, je pensais au départ que j'allais bien gagner. Après, j'ai cru que j'allais. C'était sûr que j'allais perdre. Et puis, bah, finalement, j'ai essayé de tout faire pour gagner, mais ça n'a pas fonctionné. Je vais devoir aller rendre la clé à mon connard de frère, parce que j'ai pas envie de voir. Mais là, c'est la dernière fois que je le vois, je peux plus le blairer en fait. Je peux plus le blairer là, qui se dégage. Ah, il a Justin Range, regarde-le. Il a Justin Range Rover, ce con. Oh! Mais bon, avance! Oh, t'as vu comment tu t'es garé? Bah oui, pourquoi? Bien garé. Ouais, ouais, nickel, nickel. Bah, je suis bien garé, mais par contre, je vois que t'as déjà acheté une Range Rover là, c'est quoi cette histoire? Ouais, écoute, j'ai eu le notaire comme toi au téléphone, je me suis fait le plaisir. Allez, tiens, moi de toute façon, je vais pas rester longtemps. Je te remets. Non, tes mais clés. William, non, franchement. Je te remets tes clés. Je peux plus te voir, tu m'as tellement saoulé. Allez, tiens, prends les clés et ferme-la. J'accepte que, évidemment, ma victoire. Grande fierté, mais. Grande fierté. Mais, j'ai quand même quelque chose à te proposer, parce que là, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, je sais pas, je vais prendre la thune, ce qui me reste, et je m'en vais. Ah, je pense que tu ferais mieux. Je m'en vais. Tu ferais mieux de m'aider à m'occuper de toutes ces fermes. Toutes ces fermes, allez. Allez, ouais, je vais là, te payer combien dans cette histoire? Oh, tu seras payé cher, tu seras le numéro 2. Tu seras le directeur de la ferme que t'avais avant. Je te laisse tout gérer, c'est toi qui gères tes affaires là-bas. C'est juste que elle m'appartient, mais c'est toi qui la gères. Ah, mais qui te dit que dans un an tu vas pas me la foutre au cul? Bah, ça sera toujours un an de prix. Ok. Bah ouais, j'accepte. Bon, écoute, tu commences lundi. Mais par contre, viens pas trop souvent parce que voir ta tête tous les jours, ça va faire bizarre. Ouais, j'imagine bien. Commence lundi, ok, pas de soucis. Bon, allez. Allez, repose-toi bien. Je reprends les clés. Hein. Ah, merci. Ouais, garde-les. Merci.